Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisqu'on va parler séries et plus particulièrement faire le récap de toutes les séries que j'ai découvertes et regardées en 2018 parce qu'il y en a quand même pas mal. D'autant plus que maintenant j'ai Netflix avec mon amoureux, donc c'est vraiment l'opportunité parfaite de binge-watcher des séries toute la journée, n'est-ce pas? J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, j'ai une petite quinzaine de séries à vous présenter, donc je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. En tout cas, j'espère vous en faire découvrir, vous donner envie de vous lancer dans certaines de ces séries. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait toujours très très plaisir. Et sur ce, c'est parti! On commence avec deux exceptions qui sont des séries que je n'ai pas découvertes en 2018 mais dont j'ai regardé la deuxième saison cette année. C'est des séries qui me tiennent particulièrement à cœur parce que je les adore, c'est des coups de cœur et c'est presque vital pour moi de les partager avec vous parce que j'ai vraiment envie que tout le monde les regarde. C'est les séries Imposters et Atypical que vous connaissez peut-être. Imposters, c'est une série américaine qui raconte l'histoire de Maddie qui est une arnaqueuse professionnelle et qui passe son temps à changer d'identité pour séduire quelqu'un et leur voler tout leur argent. La saison 2 est sortie cette année et malheureusement c'est la dernière saison puisqu'ils ont décidé d'annuler la série. J'en suis profondément dévastée parce que c'est une série vraiment vraiment géniale que j'ai adorée. Je trouve que c'est une série très intelligente, les acteurs sont géniaux, le quatuor des protagonistes est juste parfait, ils sont trop talentueux, c'est des personnages hyper travaillés. Vraiment c'est une série juste trop trop bien et même si la série est annulée je vous conseille à 3 millions de pourcents de la regarder parce qu'elle vaut vraiment vraiment le coup. Et Atypical qui est une série Netflix dont la deuxième saison est sortie cet été et je crois que la troisième saison est déjà en route donc je suis super super contente. Ça raconte l'histoire de Sam, un adolescent qui souffre de troubles autistiques et en fait on va suivre sa vie au collège, sa vie sentimentale, la vie avec ses amis, avec ses parents, etc. Et je trouve que c'est une série qui est vraiment très très touchante. Les personnages, que ce soit les principaux comme les secondaires, sont hyper attachants. C'est une série qui traite merveilleusement bien de sujets très importants, je trouve. Et j'ai l'impression, en tout cas, de tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, que c'est une série qui fait vraiment l'unanimité, qui plaît à tout le monde, qui touche tout le monde. Donc si je peux vous la conseiller à 3 millions de pourcents, vraiment foncez, regardez cette série, elle est vraiment géniale. On passe maintenant au vif du sujet avec mes découvertes 2018. La première série dont je veux parler, je crois que je l'ai déjà évoquée sur ma chaîne, c'est The End of the Fucking World. C'est une série Netflix qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a la fibre très très psychopathe, qui a pour obsession de tuer quelqu'un et il va jeter son dévolu sur une camarade de lycée. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. C'est une série qui est un petit peu particulière dans le sens où elle a un humour très noir. C'est une série très décalée. Ce que j'ai aimé avec cette série, c'est qu'elle se regarde vraiment d'une traite. Je crois qu'il y a 8 épisodes. Et ça pourrait se regarder comme un film de 2h40 en fait, parce qu'elle est juste géniale. Les personnages sont très très bien interprétés, je trouve. Les deux acteurs principaux tiennent vraiment la série. Les musiques sont trop cool et la cinématographie est ouf. Donc vraiment, je vous conseille cette série. Ensuite, j'ai commencé la série The Good Doctor avec l'acteur Freddie Highmore, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est atteint de troubles autistiques et qui va intégrer un hôpital en tant que médecin parce qu'il a une clairvoyance beaucoup beaucoup plus élevée que les autres, ce qui fait de lui un excellent médecin. Un excellent docteur. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette série, j'ai dévoré les épisodes quand je l'ai commencé, particulièrement parce que j'ai été très très touchée par le personnage principal, donc de Sean, le docteur. Malheureusement, je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi j'ai décroché au bout d'une quinzaine d'épisodes, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai vraiment adoré la série mais j'ai pas réussi à me remettre dedans. Mais dans tous les cas, je vous conseille la série parce que des 15 premiers épisodes que j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était une très très belle série, très touchante, très humaine, et voilà. Sur les conseils de mon amie Manon, j'ai regardé la série The Good Place, qui est une série hyper cool, vraiment rafraîchissante et complètement what the fuck. Donc pour vous planter le décor, c'est l'histoire de Eleanor, qui est interprétée par Kristen Bell, qui décède et qui va se retrouver dans une sorte de monde parallèle, donc dans The Good Place, le paradis où les personnes qui ont été des bonnes personnes dans leur vie se retrouvent après la mort. Donc je vous en dis pas plus, mais vraiment si vous cherchez une série pas prise de tête, une série qui remonte le moral des fois quand vous êtes au plus bas, ou juste une série où vous avez envie de rigoler, bah je vous conseille vraiment The Good Place. Je crois qu'il y a actuellement 3 saisons sur Netflix, donc c'est plutôt cool. Ensuite cette année, j'ai aussi commencé la série La Fabuleuse Madame Maisel, qui se passe dans les années 50 à New York, où on va suivre Myriam, qui a une vie complètement conventionnelle, jusqu'au jour où elle va se découvrir une passion pour l'humour, pour le stand-up, et là sa vie va prendre un tout autre tournant. C'est une série vraiment drôle, je trouve, très réfléchie, avec de très belles images, avec les jolis costumes de l'époque. Et personnellement, j'ai vraiment, vraiment adoré cette série, donc je vous la conseille. J'ai découvert et adoré la série Humans,
qui se passe dans un futur plus ou moins proche où les robots domestiques qui ont l'apparence parfaite des humains sont les nouveaux gadgets de notre société. Et dans cette série, on va suivre le nouveau quotidien des humains avec ses synthés et en parallèle la vie secrète de ces robots. Et je trouve que c'est une série hyper intéressante qui est vraiment bien faite. Les personnages sont très bien construits et vraiment profonds, et je trouve que c'est une série qui est paradoxalement très très humaine. C'est un petit peu dans la même veine que Black Mirror, mais un petit peu plus poussé puisque c'est vraiment que sur les robots domestiques. Mais j'ai vraiment adoré cette série et j'ai une petite saison de retard là en ce moment. Donc je pense que c'est la prochaine série sur ma liste. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder Humans. L'un de mes plus gros coups de cœur cette année, en tout cas la série qui m'aura le plus marqué en 2018, parce que c'est une série de malade mental, c'est la série Killing Eve. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi cette série me rend complètement folle, parce que en fait elle m'a fait passer par tellement d'émotions en même temps quand je l'ai binge-watchée, elle m'a tellement marquée et j'ai juste envie d'en parler et de la partager parce qu'elle mérite vraiment d'être plus connue. Et d'ailleurs je suis super contente parce qu'elle a reçu, je crois, des récompenses et des cérémonies américaines il n'y a pas longtemps, donc il y a eu un petit peu plus de bruit autour de cette série, donc c'est vraiment top. L'histoire est un petit peu particulière. D'un côté, on va avoir Villanelle, qui est une tueuse en série. C'est son métier. Son personnage est complètement flippant. C'est une psychopathe, clairement, qui est interprétée par l'actrice Jodie Comer, qui est exceptionnelle dans cette série. Et en face, on va avoir Eve, qui travaille pour les services secrets britanniques. Et au fil de leur vie respective, leurs chemins vont se croiser. Et là, c'est une histoire de psychopathe qui va commencer, qui tient en haleine du début à la fin. Vraiment c'est une série de fous. Alors peut-être que c'est qu'à moi que ça a fait ça, je ne sais pas, peut-être que j'étais dans des conditions spécifiques, mais vraiment c'est une série qui m'a happée du début à la fin, qui m'a fait passer par l'angoisse, par l'appréhension, par l'excitation, par la peur. Vraiment je trouve que cette série est juste folle, hyper bien faite, et je pense que c'est aussi le pouvoir du jeu de Jodie Comer qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment incroyable. Je vous en supplie, regardez cette série et parlez-en dans les commentaires, dites-moi un petit peu les émotions par lesquelles ça vous a fait passer, parce que moi c'est une série qui m'a juste trop prise au trip. J'ai regardé la série Dr. Foster, qui raconte une histoire assez banale, une femme qui découvre que son mari la trompe depuis longtemps et qui décide de se venger. C'est une série qui a une atmosphère un petit peu pesante, c'est clairement pas une série qu'on regarde pour se détendre ou pour passer un bon moment, parce que vous n'allez pas passer un très bon moment dans cette série. Je trouve que 2 saisons c'est largement suffisant, en tout cas pour traiter les personnages de cette série en particulier. C'est pas une série exceptionnelle, mais c'est sympa à regarder, donc je vous la conseille si c'est un thème qui vous intéresse. Dites-moi si ça vous arrive aussi, mais là pour le coup j'ai regardé Killing Eve et Dr. Foster d'affilée, et dans les deux séries il y a l'actrice Jodie Comer, et j'ai vraiment pas fait exprès. Et en fait c'est pas la première fois que ça m'arrive de regarder 2 ou 3 séries ou films d'affilée et de me rendre compte qu'il y a le même acteur dedans et que c'était vraiment pas volontaire, donc dites-moi si vous aussi ça vous arrive. Un autre coup de cœur cette année, c'est la série The Bold Type, que vous connaissez peut-être, qui raconte l'histoire de 3 jeunes femmes qui travaillent pour un magazine féminin à New York. C'est un univers un petit peu à la Gossip Girl / Sex and the City. Et pour le coup, c'est une série qui fait vraiment du bien, qui est ultra positive, et toutes les protagonistes sont hyper badass, hyper inspirantes. Et en plus, les musiques de cette série sont super cool, donc c'est un autre bon point. J'ai vraiment dévoré les 2 premières saisons de cette série, et je vous la conseille vivement. Depuis qu'on a Netflix, avec mon amoureux, j'avoue qu'on passe pas mal de temps devant la télé à binge-watcher des séries et des films. Et récemment, on a regardé la série Peaky Blinders, qui se déroule dans les années 20 à Birmingham et qui raconte l'histoire d'une bande de gangsters qui s'appelle justement les Peaky Blinders. Et j'ai trouvé que c'était une série super cool. Ce que j'ai préféré dans cette série, c'est les images que j'ai trouvées trop belles, et je trouve que c'est hyper bien filmé. Et les personnages qui sont vraiment ingénieux et charismatiques. En tout cas, c'est pas forcément une série que j'aurais pu regarder de moi-même, que j'aurais décidé de regarder de moi-même, mais au final elle est hyper prenante et je trouve que la série est plutôt cool, donc voilà. Une série qui a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie sur Netflix récemment, c'est la série Elite. Donc le synopsis, c'est 3 lycéens qui viennent de la classe ouvrière et qui sont admis dans un lycée, le lycée le plus huppé d'Espagne. Donc ils vont être mêlés aux lycéens, hyper compétiteurs, hyper au-dessus de tout le monde, et au cœur de l'intrigue, un meurtre. Donc je vais pas vous spoiler, mais c'est un univers très Gossip Girl et très raison. Je trouve que c'est une série qui est plutôt cool et l'histoire est plutôt prenante à regarder, à binge-watcher. Par contre, c'est pas une série qui est incroyable. Je trouve que les personnages sont des caricatures et que l'intrigue est vraiment pas originale. En tout cas, c'est pas une série qui apporte quelque chose de nouveau. C'est un petit peu tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait en ce moment, je trouve. Donc personnellement, je suis très indifférente en fait. S'il y a une saison 2, je m'en fiche un petit peu. C'est une série qui est cool à binge-watcher, qui est sympa à regarder, mais rien de plus.
Par contre, j'ai dévoré la série Les Demoiselles du Téléphone, que j'ai trouvé hyper cool et que j'aime bien décrire comme une version espagnole de Desperate Housewives qui se passerait dans les années 20. J'ai adoré les trois premières saisons qui racontent l'histoire de femmes qui sont standardistes et qui se battent au quotidien pour obtenir l'indépendance par rapport à leur mari et par rapport aux hommes de manière générale dans cette société à l'époque. Les protagonistes sont des femmes vraiment fortes, déterminées pour leur liberté et ultra inspirantes. En plus, les musiques de cette série sont trop cool, donc c'est juste un bonus. Et je pense vraiment que si vous aimez Desperate Housewives, vous allez aimer cette série parce que vous retrouvez des histoires d'amour, du drame, du mystère, du meurtre, de la comédie. Donc c'est un petit peu la même veine. Moi qui suis une fan incontestée de Desperate Housewives, j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment reconnu un petit peu la même atmosphère, on va dire. Même si on est d'accord, Desperate Housewives reste et restera pour toujours indétrônable. Coup de cœur pour la série Anne with an E. J'étais archi fan du dessin animé Anne des Pignons Verts quand j'étais petite, je sais pas si vous connaissiez, mais du coup ça m'a fait un petit peu bizarre de voir qu'ils en avaient fait une série aujourd'hui, mais j'ai adoré cette série, je l'ai trouvée vraiment très belle. C'est l'histoire de Anne qui est une jeune orpheline qui va être adoptée par la famille Cuthbert et qui va tout faire pour se faire apprécier et se faire aimer par son entourage, ce qui n'est pas chose facile. Parce que c'est une petite fille qui a tendance à agacer beaucoup les gens autour d'elle, parce que c'est une fille qui est émerveillée par la vie, qui est très bavarde, qui est très intelligente et qui a une imagination un peu trop débordante parfois, en tout cas qui dérange les gens. Moi j'ai trouvé que cette série était un vrai bijou, justement par rapport à ce personnage que je trouve génial, que je trouve merveilleux. Il y a actuellement 2 saisons sur Netflix, donc courez aller la voir. Pour résumer, c'est une série juste qui fait du bien et qui apaise le cœur en fait. Je termine avec les 2 dernières séries que j'ai regardées en date. La première, c'est Bodyguard, que j'ai regardé avec mon amoureux, qui est une série qui vient de sortir sur Netflix et qui raconte l'histoire d'un agent de sécurité, qui est un ancien vétéran de la guerre, qui est embauché pour protéger la ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne. C'est une série qui m'a tenue en haleine, qui m'a happée du début à la fin. Rien que la scène d'ouverture, si vous avez vu la série, vous saurez de quoi je parle, que je trouve hyper percutante en fait. Et je vous conseille vraiment de la regarder d'une traite, parce que c'est 6 épisodes hyper intenses. Et enfin, pour finir cette vidéo, la dernière série que j'ai vue en date, c'est la série You, qui est disponible sur les plateformes de streaming, mais qui sera sur Netflix que le 26 décembre, il me semble, qui est une série que j'ai trop aimée, une histoire hyper prenante et assez psychopathe sur les bords. C'est l'histoire de Joe, qui est un libraire à New York, et qui un jour va rencontrer Beck, et qui va développer une véritable obsession autour de cette fille, au point qu'il va suivre en fait tous ses faits et gestes, que ce soit physiquement ou virtuellement. Autant vous prévenir, Joe est un vrai psychopathe. Mais cette série est juste géniale, trop prenante, et vraiment je voulais en rater aucune miette. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait j'ai regardé le final hier soir, au fond de mon lit, quand il faisait nuit. Super idée, parce que j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, mais j'ai trop aimé cette série et j'ai vraiment hâte qu'il y ait une 2e saison. En tout cas, je vous la conseille vraiment. Et petit plus, il y a l'acteur qui jouait Dan dans Gossip Girl, qui joue le psychopathe. Et il y a aussi Shay Mitchell qui jouait dans Pretty Little Liars, donc c'est plutôt cool de retrouver des têtes familières dans les séries, je trouve. Voilà pour cette vidéo, voilà pour toutes les séries que j'ai pu découvrir et regarder en 2018, ça en fait une petite liste. Je vous mettrai en commentaire 2-3 séries que j'ai regardées, que j'ai commencées et que j'ai pas vraiment aimées, donc j'avais pas vraiment envie d'évoquer dans cette vidéo, mais vous pouvez les retrouver dans le commentaire épinglé juste sous la vidéo. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez regardé, découvert, adoré en 2018, pour me donner des nouvelles idées de séries à binge-watcher sur Netflix ou pas. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est mon chien qui vient d'éternuer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, ciao !